C'est comme un pistolet à peinture, en fait, on vaporise la colle et après on assemble les parties avant de les coudre. Voilà. Donc ça c'est l'encolleuse. Ici on a une petite machine à coudre qui est une bordeuse. C'est pour coudre une bordure tout autour d'un portefeuille ou d'un sac ou quelque chose comme ça. Cette machine là c'est une pareuse. Ça sert à biseauter le cuir. Vous voyez, le cuir quand on le coupe il est carré comme ça. Et en fait quand on veut faire le retourner pour faire un assemblage ou le doubler pour le coudre, ben on affine le bord, ça évite d'avoir des surépaisseurs et d'avoir des objets trop grossiers en fait. Il y a certaines ceintures qu'on coud à la machine et ce genre de ceinture là en fait elles sont assemblées entièrement à la main, donc forcément ça prend beaucoup plus de temps et c'est une couture qu'on appelle la couture au point de sellier. Une grande partie en fait de mon travail il est fait avec du cuir tannage végétal, donc c'est un cuir qui est naturel, qui n'a pas été traité, qui est perméable à l'eau en fait, hein. Si je le mouille, vous voyez, il prend l'eau et en fait quand il prend l'eau ça me permet de le mettre en forme, de faire des marques dedans avec des matoires. Et par contre une fois qu'il a été traité, après ça me